tous, c'est Petit Quick et je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire au moment où vous voyez cette vidéo. Voilà, je suis née le 12 septembre et aujourd'hui je fête mes 24 ans, enfin du coup moi je tourne cette vidéo un petit peu en avance puisque là, au moment où vous regardez cette vidéo, je suis dans l'avion direction Hong Kong puisque ça y est, c'est enfin officiel. Je vais à la Tsum Tsum Fun Fair 2018 avec Miss Jirachi, on retourne à Hong Kong à Disneyland pour la Fun Fair avec plein de petites Tsum Tsum exclusives. Je vous ferai des petites vidéos là-bas, ne vous inquiétez pas, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous partagerai mon voyage avec des stories, des photos, vous allez voir, il va y en avoir plein. Et du coup j'ai beaucoup trop hâte d'être là-bas, mais en attendant j'ai voulu me faire plaisir, comme je vous l'ai dit c'est mon anniversaire. Aujourd'hui j'ai 24 ans et du coup j'ai décidé de me faire plaisir avec cet énorme colis que j'ai reçu hier. Et vous voyez il est écrit fragile en très très gros dessus, puisque ce sont à l'intérieur que des figurines Gymshore, ma nouvelle passion. Voilà, je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet et j'adore vraiment ces figurines de collection. Je rêve d'avoir des étagères remplies de Gymshore et j'en commence déjà à en avoir pas mal. J'en ai une petite trentaine et d'ailleurs ce week-end j'étais en convention en Belgique à Arlon et il y avait un stand de Gymshore. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu et je vous ai dit que j'allais craquer pour des figurines. J'ai craqué effectivement sur des figurines et notamment ce petit Stitch qui a été le premier à rejoindre ma collection, Stitch à version Halloween en diablotin. Il est incroyable, je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup trop, c'est une de mes figurines préférées dans ma collection de Gymshore. Il est vraiment vraiment génial. Et là ça me donne envie de faire une étagère avec des Gymshore d'Halloween, des Gymshore de Stitch, enfin bref, des étagères à thème, des vitrines, enfin bref, j'ai plein d'idées, j'adore cette figurine. Et là on va compléter la collection, il y a plusieurs figurines à l'intérieur dont une qu'on va se garder pour la fin qui est magistrale. Et je l'avais déjà vue à Disneyland et elle me faisait de l'œil et je me suis dit bah voilà, c'est ton anniversaire Roman, fais-toi plaisir et... elle est dans ce colis, donc on va la découvrir ensemble. J'ai trop trop hâte de la déballer, et même toutes les autres qu'il y a à l'intérieur, puisqu'il y en a plusieurs. Du coup, le colis est ouvert. Hop hop hop. Pour ceux qui se poseraient la question, j'ai commandé sur le site Cherries. À chaque fois on a un petit mot, c'est très sympa. Merci pour cette commande. C'est le site français que je vous recommande par excellence pour vos Gymshore. Ils ont pas mal de choix. Les prix sont plus que corrects. Et en plus, c'est super super bien emballé. Regardez dans quoi ça arrive. Il y a plein de petits... truc de polysirène là pour protéger les figurines qui sont elles-mêmes dans des boîtes, etc. Tout est neuf. Du coup, j'avais déjà passé ma première commande chez eux et la deuxième également. Si ça vous intéresse, je vous mets un petit code de parrainage pour avoir une réduction sur votre commande. Si vous rentrez le code que je vous mets dans la description, vous aurez 5€ de réduction sur votre première commande, il me semble. Et d'ailleurs, le petit Stitch que j'ai moi acheté à la convention, il est disponible aussi sur leur site. Du coup, voilà, si ça vous intéresse, sachez que vous le trouverez là-bas et il est vraiment magnifique. Bref, je suis trop impatiente, c'est parti. Je vais piocher au pif dans les petits trucs de polysirène, des petites boîtes de Gymshore. Alors, on commence avec... ah, lui, il est trop trop cool. Alors, je vais mettre le carton sur le côté. C'est une petite figurine de Pégase dans Fantasia. Je l'avais vue, elle, quand j'ai passé ma première commande et je voulais la mettre au panier. Je la trouvais trop mignonne, un petit poney comme ça, ailé, un Pégase, quoi. Sauf qu'il était en rupture de stock et du coup, il y a une fonction très pratique, c'est m'indiquer quand la petite figurine est de retour en stock. J'avais cliqué là-dessus et j'ai reçu une notification dès qu'il était... à nouveau disponible et c'est pour ça que j'ai passé une nouvelle commande aussi. Le voici de plus près, il est trop trop beau. C'est une toute petite figurine, enfin elle est pas bien grande, mais du coup elle est trop trop mignonne. Voilà. Et pour ceux qui se posent la question, eh bien les Gymshore ce sont des figurines en bois qui sont peintes à la main. Du coup je trouve ça trop cool, c'est vraiment des figurines prestige, je trouve ça très très prestigieux. Je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais en tout cas, les figurines sont magnifiques et du coup là on a un petit Pégase qui fronce un peu les sourcils, qui rejoint ma collection. Il est adorable. Bon du coup on a commencé easy avec une petite figurine, donc il y a encore du très très lourd à venir. Hop, j'en ai une autre qui a l'air un petit peu plus grosse. Oh, pas tant que ça, elle est juste un petit peu plus longue. Ah, elle aussi exactement le même profil que le petit Pégase, c'est une figurine que je voulais qui n'était plus en stock et il s'agit de Rafiki. Voilà, parce que j'ai pour projet dans ma tête de me faire une belle étagère avec des Gymshore du Roi Lion. J'en ai aucune pour le moment à part Rafiki qui est le premier, mais j'ai vu tellement des belles figurines avec Simba. Il y a Simba, Mufasa, il y a également Timon et Pumba, Timon et Pumba et Simba sur une branche et tout ça. Il y en a pas mal des figurines Gymshore du Roi Lion. Et vu que c'est un de mes Disney préférés, eh bien je ne pouvais que craquer et du coup là, Rafiki... hop, il était pas très cher du tout et je le trouve tellement cool. Il est dans sa position méditation. Il est archi stylé, je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, le Rafiki. Franchement, ça, allié avec d'autres personnages du Roi Lion, ça va être vraiment, vraiment génial. Archi stylé, je suis contente de l'avoir, celui-ci. Allez, je continue, je fouille.
dans les petits trucs de polystyrène. Alors là, on a un petit truc. Ok, donc ça, c'est un petit cadeau qu'on a en plus quand on dépasse un certain seuil de commande offert par le site. Donc moi, j'ai dépassé le... je sais plus combien c'est le seuil. Et du coup, on m'offre un porte-clés de grincheux en Brito. Voilà, c'est une autre style de collection. Il y a d'autres figurines comme ça qui sont un petit peu bariolées, colorées. Donc là, c'est grincheux. Vous voyez, les couleurs sont pas conventionnelles, mais c'est le style Brito. Du coup, il est stylé. J'aime bien, j'aime beaucoup. Ce n'est pas Jim Shore, mais on continue. J'en ai d'autres. Normalement, hop là. Oh, il est trop mignon celui-ci. Il est trop mignon, pareil. Ceux qui, les toutes petites figurines, en général, ils ont une petite vitrine là qu'on peut voir. Celle-ci, c'est toute petite, hein, vraiment une toute petite boîte. Et du coup, il s'agit de Figaro, Figaro de Pinocchio, le petit chat adorable. J'ai déjà un Jiminy Cricket en plus du dessin animé Pinocchio. Je sais qu'il en existe avec Pinocchio, mais j'en ai pas encore. J'ai vraiment envie de me faire des thématiques de chaque Disney, d'avoir des personnages, en tout cas des Disney que j'aime bien et des personnages que j'aime bien. Parce qu'il y en a plein des Jim Shore, par exemple, avec des princesses, je suis un petit peu moins fan. Donc ça va pas être ma priorité de collection, mais en tout cas, genre des petits animaux comme ça. Le Figaro, par exemple, et bah, il est adorable, il va aller à merveille avec le petit Jiminy Cricket. Voilà comment il est. Ah, il est trop trop beau. Attendez, je vais vous montrer le Jiminy Cricket parce que vous l'avez probablement pas vu. Il est ici, le Jiminy Cricket, et je l'avais eu à l'occasion de la vidéo cache-cache que j'avais fait sur ma chaîne. Si vous ne l'aviez pas vu, allez la voir. Je l'avais pas gagné dans ma vidéo, mais dans une autre vidéo, puisqu'il y avait des petits lots pour ceux qui étaient les meilleurs. Et du coup, il me semble que celle-ci, c'était Miss Jirachi qui me l'avait offert. Je sais plus pour quelle vidéo, mais en tout cas... Ah si, il me semble que c'était le cache-cache de Sora sur sa chaîne. Allez voir si vous voulez. Et du coup, ils vont super bien ensemble. Il manque un petit Pinocchio. Pourquoi pas Cléo? Je sais même pas si elle existe, Cléo. Mais du coup, ça me fait des figurines du même univers et je trouve ça génial encore une fois. Du coup, il doit pas en rester énormément, énormément. Hop, je vois plus, donc je regarde. Il m'en reste 3, je crois. Et du coup, là, on passe sur un gabarit un peu plus gros. Là, déjà, c'est des figurines un peu plus grosses. Oh là là, j'ai vu sur le côté. Je vous montre pas tout de suite, je ne vous spoile pas, mais il est incroyable celui-ci. Il est vraiment trop, trop, trop stylé. Et il va aller parfaitement avec le Stitch que je vous montrais au début de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, il est bien, bien emballé. J'enlève le scotch. Et du coup, on découvre... Waouh, elle est énorme! Elle est énorme, celle-ci. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse. Waouh! Autant, il y a des fois, je me disais... Ah ouais, la figurine doit être grosse et elle était plus petite que ce que je pensais. Autant là, c'est clairement l'inverse. What? Il est trop beau! Il est trop, trop beau! Voilà, c'est une figurine d'Halloween, encore une fois. Du coup, on a Bourriquet. Il est trop beau. Trop, trop beau. Regardez avec Stitch. Ça va pas aller à merveille, ça, dans ma collection de figurines Jim Shore Halloween. Oh, celui-ci, mais un must-have. Must-have, les gens. En plus, il est nouveau, je crois, sur le site. Je l'ai vu comme ça, je me suis dit, oh bah j'achète direct pour ma commande. Trop stylé, trop, trop, trop stylé, c'est magnifique. Les détails sont incroyables sur la petite citrouille et tout, je suis fan. Et étonnamment, Bourriquet n'était pas un de mes personnages préférés, je l'aimais bien, mais c'était pas du tout un de mes préférés. Et en Jim Shore, je me rends compte que j'ai beaucoup de Bourriquet. Je dois déjà en avoir 3 ou 4, et du coup, bah voilà, ça devient un de mes préférés. En tout cas, en Jim Shore, je craque sur toutes ces figurines, donc c'est que je dois avoir un petit côté coup de cœur sur Bourriquet, en tout cas. Archi stylé, le Bourriquet, qui est plus gros que ce que j'avais prévu, donc je suis ravie. Et pour l'instant, c'est mon préféré parmi tous ceux que je vous ai montré, avec le Stitch quand même, le Stitch qui est là. Et du coup, il nous en reste 2, si je dis pas de bêtises. Waouh! Deux énormes figurines, en voilà une. Déjà, je mets des petits trucs partout. Donc, je ne vous spoile pas celle-ci, moi j'ai vu laquelle c'était. J'ai trop hâte de la découvrir, hop. Celle-ci, je l'avais également vue à Disneyland Paris. Elle me faisait de l'œil, mais j'avais pas craqué. Et globalement, tout est plus cher à Disneyland Paris, donc c'est un petit peu la douille. Hein. Si vous avez l'occasion d'acheter sur Internet, choisissez plutôt Internet. C'est mon conseil, c'est moins cher, beaucoup moins cher, même avec toutes les réductions, pass annuelles et tout. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'en acheter de temps en temps quand je vais à Disneyland. Waouh! Regardez, regardez, elle est trop trop belle! Incroyable, incroyable, je suis fan. Il s'agit de Bernard et Bianca sur un petit bateau en forme de feuille. Enfin, du coup, c'est une feuille qui leur sert de bateau puisque ce sont deux souris. Et il y a même la petite libellule au bout. Incroyable, cette figurine, elle est géniale! Oh là là, tellement belle, il y a plein de petits détails et tout, j'adore! Même la libellule et tout derrière, elle est géniale. Waouh, dites-moi ce que vous en pensez. Mais magnifique, je regrette pas du tout d'avoir craqué pour celle-là. Elle est géniale. Ils sont tellement beaux. Et pourtant, je suis pas une grande fan de Bernard et Bianca, encore une fois. Mais bon, c'est des animaux. Tout ce qui est animaux, j'aime bien. Et cette figurine, et ben voilà, j'ai craqué, quoi. J'étais obligée. Mais les Jim Shore, c'est ma vie. C'est tellement ma vie. J'adore cette collection. Et du coup, il nous reste une dernière figurine à découvrir dans le carton. Et là, je fais jour depuis tout à l'heure que je suis calme. Mais je suis surexcitée parce que cette figurine,
Je la ziote depuis tellement longtemps, les gens. Waouh, c'est ma plus grosse Gymshore, en tout cas, que je n'ai jamais eue pour le moment, et elle est archi stylée. Vous voyez que la boîte, je ne vous dis pas tout de suite de qui il s'agit, mais j'ai tellement hâte de l'exposer, de voir comment elle est et tout. Oh, ça va être incroyable. C'est parti, je l'ouvre. Ça y est, la figurine est juste ici. J'ai enlevé le scotch et... Tada ! Alors, vous la voyez pas très bien, mais je pense que vous distinguez déjà de quel genre de dessin animé il s'agit, Et la figurine... Oh là 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 ! J'ai du polystyrène plein les cheveux, mais c'est pas grave. Elle est incroyable ! Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Regardez-moi ça, les gens! Est-ce qu'elle est pas oufissime? Oufissime! C'est les 7 nains sur la branche! C'est incroyable, elle est géniale. Je vis ma meilleure vie actuellement, je vous cache pas. Cette figurine, elle est énorme. Elle est pas si lourde en plus, mais les détails sur tous les nains et tout. Oh! Waouh, je vous la montre de plus près, mais elle est magnifique. Je ne regrette pas du tout mon achat. Tout est génial, il y a des détails partout. Ah là 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 là, ça c'est incroyable. C'est mon plus beau cadeau d'anniversaire que je me sois jamais fait à moi toute seule, puisque finalement je ne fais pas souvent des cadeaux d'anniversaire pour moi. Mais alors là, l'investissement, les gens, il est plus que rentable. Je suis trop fan. Trop fan. Voilà, donc ça, je crois que c'est clairement ma plus belle pièce de collection Gymshore pour le moment. Elle est incroyable. Je sais pas du tout où je vais l'exposer puisque je n'ai pas la place, mais en tout cas, je vais la mettre en avant, ça c'est sûr. J'ai envie de la voir tous les jours quand je me réveille, quand je m'endors. Je veux la voir tous les jours, elle est magnifique. Merci moi, merci Cherise pour cette figurine parce que bah, vraiment là, ça a refait ma journée. Je suis trop contente et vraiment magnifique. Magnifique, j'ai pas les mots quoi. Je vais vérifier quand même qu'on ait oublié aucune figurine, mais normalement le compte est bon. Et effectivement, il ne reste plus que du petit polystyrène à l'intérieur et on a vu toutes les Gymshore que je me suis offerte pour mon anniversaire et elles étaient vraiment incroyables. Je suis fan de la branche avec les 7 nains, pour moi c'est ma préférée. Mais alors ces deux-là sont vraiment incroyables également dans un autre registre, mais je les aime toutes, mais je les aime vraiment toutes. S'il y a rien qui ne me fait plus plaisir que des Gymshore à l'heure actuelle, en tout cas, je suis trop contente. Je pense que ça se voit, maintenant je vais aller les exposer pour mon plus grand plaisir. Dites-moi laquelle vous avez préférée dans cette vidéo. Et du coup, si vous aimez ce genre de vidéo, bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Come on.